La rumeur était fondée. Lors du Grand Prix de Miami qui s'est déroulé le 7 mai dernier, Shakira a été photographiée aux côtés de Tom Cruise. Il n'en avait pas fallu plus aux tabloïds et aux internautes pour se demander si une idylle était en train de naître entre les deux stars. Ce mercredi 24 mai, le Daily Mail a révélé que si aucun rapprochement ne s'était fait entre la chanteuse colombienne et l'acteur hollywoodien, c'est parce que Shakira aurait supplié Tom Cruise d'arrêter ses avances. En effet, la star de Top Gun avait confié à des amis avoir senti une connexion avec l'interprète de Waka Waka, et lui avait même fait livrer des fleurs. Pour autant, cette dernière n'aurait pas donné suite parce qu'elle ne cherchait pas l'amour pour le moment, avait confié une source au magazine IT. Malgré le fait qu'elle ait trouvé les rumeurs hilarantes, Shakira préférerait se concentrer sur ses enfants, en cette période délicate. Et pour cause, la chanteuse de 37 ans a fait face il y a quelques mois seulement, à sa rupture avec son compagnon et père de ses deux enfants, le footballeur espagnol Gérard Piqué. Une rupture très médiatisée le 4 juin dernier, Shakira et Gérard Piqué avaient annoncé la fin de leur histoire, après 12 années de vie commune. Ils avaient alors sobrement déclaré, « Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension. » Sans surprise, l'ancien couple a malgré tout fait la une des magazines à de nombreuses reprises. Les tabloïds ont entre autres dévoilé les dessous de leur séparation, et l'infidélité du sportif. Le footballeur n'avait d'ailleurs pas hésité à s'afficher publiquement avec sa compagne Clara Marti, avec qui il entretenait une relation depuis plusieurs mois déjà, peu de temps avant l'annonce de sa séparation avec Shakira. En réponse à son ex-compagnon, l'artiste avait dévoilé le 19 octobre dernier, une chanson accompagnée du DJ Bizarrap, dans laquelle elle évoquait clairement leur rupture. Tu as soudainement changé. Tu m'as quitté à cause de ton narcissisme. Je courais pour une personne qui ne marchait même pas pour moi. C'est un adieu inévitable. Tu as oublié ce que nous étions, avait-elle chanté. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, de Panoramique.